Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog dans ma caisse. Non, je rigole, on n'est pas là pour passer la journée dans ma voiture. Au contraire, on est devant la salle donc Basic Fit au Mans. Donc aujourd'hui, c'est une séance de musculation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, enfin pour la plupart, je pense, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que cette année, je me suis lancé le défi donc de faire 250 séances de sport confondues. Donc c'est-à-dire les entraînements de basket, les matchs de basket et bien évidemment les séances à la salle. Donc il faut savoir que je vais à la salle à peu près 3 fois par semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une séance pec, épaules et bras. C'est parti. Alors pour bien commencer cette séance de pec, épaules, bras, on commence avec 5 bonnes minutes de rameur. Simplement pour échauffer les différents muscles, c'est vraiment un des meilleurs exos pour s'échauffer hein, parce qu'on travaille les bras comme vous pouvez le voir, les jambes aussi qui sont sollicitées, le dos ainsi que les pecs, vraiment tout travail. Moi de mon côté j'essaie de faire 5 minutes parce qu'après je commence déjà à ressentir un peu de fatigue et commencer à transpirer et c'est vraiment pas le but de l'échauffement hein, c'est vraiment prendre le temps d'échauffer les différents muscles pour pouvoir après bien les solliciter pendant les exercices et donc éviter de se blesser bêtement. Début des premiers exos donc de musculation, on commence simplement par du développé couché halter à 32 kg par main. Je me suis préalablement échauffé bien évidemment avec des poids un peu plus légers pour bien commencer. Et là on est parti donc avec les 32 kg. Il faut savoir qu'aujourd'hui mon max est à peu près 34-36 je crois. Donc ça progresse, ça progresse. Une fois les 4 séries de 10 répétitions au développé couché halter terminées, on enchaîne avec de l'écarté halter sur le banc toujours et non à la poulie. À l'époque je le faisais vraiment à la poulie mais depuis peu de temps je me suis mis à le faire sur le banc avec 20 kg par main. Une fois les 4 séries de 10 réalisées et qu'on a les pecs bien en feu, on passe sur un tirage poitrine suivi d'un développé clou bar en superset. Et là, bam, ça part! On monte, on monte et on fait 4 séries de supersets là-dessus. Maintenant, on enchaîne sur de l'élévation latérale pour continuer de se marteler les épaules. On peut voir en plus que les biceps commencent à être un peu congestionnés, là on les voit bien, les différents muscles commencent à être un peu dessinés et on fait 3 séries de 12 sur cet exercice là. Maintenant qu'on a fini de se défoncer les épaules, on décide maintenant de passer aux bras et plus particulièrement donc aux triceps avec la poulie corde, 4 séries donc de 10 répétitions. On passe maintenant à un exercice que j'aime moins, donc le cœur, le marteau. Vous remarquerez que je fais les deux bras en même temps tellement c'est un exercice que j'aime pas et je préfère du coup enchaîner et terminer cet exercice plus rapidement donc en faisant les deux bras, donc c'est 4 séries de 10 répétitions.
Avant-dernier exercice de cette séance, triceps poulie en supination. On fait 3 fois 6 à un même poids avant de baisser encore une nouvelle fois et faire de nouvelles fois 6 répétitions pour encore diminuer et faire de nouveau 6 répétitions. Donc 3 fois 6 à la suite. Dernier exercice de cette séance, donc les biceps à la barre pour bien se terminer. La congestion commence à être bien présente, c'est très dur, on fait 3 séries donc de 15 répétitions pour bien se terminer. Je crois même que là j'étais tellement cuit que j'en ai fait que 10, quelque chose comme ça, regardez-moi un peu. Bah, petit zoom là pour bien voir les muscles développés. Et normalement à la fin de ce genre de séance là je fais toujours 12 minutes de cardio, mais ce jour là j'étais un peu pressé car j'avais pas mal de choses à faire, donc je vous épargne ça pour cette fois-ci. Bon les amis, on se retrouve de nouveau dans ma caisse, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo, première vidéo muscu, bon je sais pas si j'en ferai énormément, j'ai regardé un peu, c'est vrai qu'il y a des plans qui sont un peu mal faits, je suis allé un samedi matin à ça, je me suis dit qu'il y aurait un peu moins de monde, c'est vrai que c'est galère, j'ai l'impression de faire chier tout le monde à filmer, donc soit si j'en fais une, je me motiverai à y aller vraiment plus tôt, là 10h un samedi, ouais je pense pas qu'il y aurait autant de monde. Donc voilà, si vous avez kiffé les vidéos, la vidéo, pensez bien évidemment à lâcher un pouce bleu, un commentaire ainsi qu'un abonnement. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous. Bye.